La réalité virtuelle, un sujet qui est passionnant, beaucoup de choses à dire dessus, donc perdons pas de temps et on y va. Longtemps fantasmée par les auteurs de science-fiction, la réalité virtuelle, ou VR, est une technologie permettant à un utilisateur de se retrouver plongé au sein d'un monde généré artificiellement et d'interagir avec celui-ci via l'ouïe, la vue ou encore le toucher. En 1995, le Virtual Boy de Nintendo débarque. Virtual Boy. Montée sur trépied, cette console permettait aux joueurs de jouer uniquement en rouge et noir à des jeux dédiés à cet équipement. Le Virtual Boy n'a absolument pas rencontré le succès qui était escompté et est tombé très rapidement dans l'oubli. S'entame alors une longue traversée du désert pour la réalité virtuelle, jusqu'en 2012, année de sortie de l'Oculus Rift. L'arrivée de ce casque démocratise enfin la réalité virtuelle auprès du grand public. Et on ne tardera pas à voir arriver des dispositifs d'autres constructeurs, comme le HTC Vive ou le PSVR. La réalité virtuelle a avant tout été développée pour le jeu vidéo, mais également pour d'autres médias. Ça, on le verra plus tard. La VR, pendant très longtemps, ça a été de simples petites expériences, d'une trentaine de minutes à peu près, pas plus. Mais avec le temps, les développeurs se sont mis à développer des jeux de plus en plus longs. Elle a réussi à s'adapter à peu près à tous les styles de jeux possibles et imaginables. Les jeux d'horreur. Par exemple, avec Resident Evil, un genre de jeu auquel jamais je ne pourrais jouer, ou encore Half-Life Alyx, le petit-fils illégitime d'Half-Life 2. On y retrouve pas mal de jeux d'arcade également, comme Beat Saber ou encore Super Hot. Dans Super Hot, vous incarnez un personnage statique dans un univers quasi totalement vide. Vos ennemis, représentés par des silhouettes rouges, ne bougeront et vous attaqueront que lorsque vous-même vous déplacerez et bougerez au sein de la zone de jeu. Certains jeux conventionnels sont même développés avec un mode entièrement dédié à la réalité virtuelle, comme Star Wars Squadron ou encore Doom Virtual Reality. La réalité virtuelle, ce n'est cependant pas que du jeu vidéo, il y a également tout un aspect créatif important. Dreams, c'est une application qui est disponible sur PlayStation, est la passerelle parfaite entre le jeu vidéo et la création. Dans Dreams, vous avez tous les outils à votre disposition pour pouvoir créer des mondes entiers de jeux vidéo. Vous avez également la possibilité de visiter les jeux vidéo des autres utilisateurs ou de proposer tout simplement les niveaux que vous avez créés. Autre aspect créatif de la réalité virtuelle, le dessin. Il existe des applications comme Quill par exemple qui vont vous permettre de dessiner, de créer entièrement des mondes pour les animer par la suite. Tiltbrush est une autre de ces applications créatives. Vous vous retrouvez avec à votre disposition toute une palette de couleurs, de pinceaux et d'outils pour créer des mondes en trois dimensions, créer des tableaux. Nous avons vu l'aspect ludique, nous avons vu l'aspect créatif, mais la réalité virtuelle, ça ne s'arrête pas là. Le cinéma, par exemple, avec des applications comme Big Screen qui vont vous permettre de regarder et vivre vos films différemment. Le livre également, avec Dreamy Factory, par exemple, qui vous permet de visualiser les paysages qui sont décrits dans l'œuvre. On pourrait penser que la réalité virtuelle est une activité solo. Dans un sens, c'est vrai. Lorsqu'on se retrouve totalement immergé sous un casque, il est difficile de garder un pied dans la réalité. Cependant, beaucoup d'applications et de jeux permettent maintenant de pouvoir profiter de la réalité virtuelle à plusieurs. Keep Talking and Nobody Explodes est l'exemple parfait pour illustrer ces propos. Deux joueurs vont devoir jouer en coopération, l'un sous le casque avec sous les yeux une bombe qu'il va devoir manipuler, et un autre à côté de lui avec un manuel dans les mains qui devra lui donner toutes les indications nécessaires pour désamorcer cette bombe. So that doesn't have any vowels. So okay. De nos jours, la réalité virtuelle devient de plus en plus accessible. Prix des casques à baisser, il est même possible maintenant d'utiliser son smartphone pour pouvoir profiter un petit peu de cette expérience. La bibliothèque aussi devient équipée en VR, afin de pouvoir partager avec le public et de faire découvrir au mieux cet univers-là. La réalité virtuelle a de très beaux jours devant elle. Les technologies se perfectionnent de plus en plus, avec par exemple l'invention de chaussures qui nous permettent de marcher tout en restant sur place, ou encore une plus grande précision dans les manettes qui nous permettent de ressentir le moindre frottement, le moindre mouvement du bout de nos doigts. La réalité virtuelle, c'est vraiment super cool. Du coup, bah, j'y retourne.